Salut les copains, salut les copines. J'espère que vous m'entendez le plus, il fait un bruit monstrueux, un bruit, t'as jamais vu ça de ta vie. Mais j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je pense que vous l'avez capté avec cette introduction. Quel est le thème de cette vidéo? Je suis obligé d'être comme ça à cause de la lumière. Et là, on va direction rejoindre nos deux coachs pour notre premier entraînement. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En vrai, j'ai pas l'habitude de faire de vrais entraînements. Donc là, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va être. Et en vrai, j'ai hâte, hein. J'ai hâte d'être enfin discipliné dans mon sport. Mais en plus, aujourd'hui, je suis malade. Ça veut dire que ça va être chaud. Ne vous inquiétez pas. On a dit arme blanche, donc je vais me battre. Je vais faire le guerrier. Et ça va le faire. Dites-vous, là, on est soir de Champions League et je vais m'entraîner quand même. Pour vous montrer ma détermination. Là, je pourrais aller voir un bon match. Il y a des bons matchs en plus ce soir. Et pourtant, je vais m'entraîner. Qu'est-ce que je suis déter. En plus, il y a de l'orage. Et en plus, je suis malade. Mais en vrai, je sais pas ce que ça va donner. Enfin, j'espère qu'en fait, je vais être chaud. Mais en vrai, vous me connaissez. Moi, j'ai toujours fait du sport. Le problème, c'est la motivation. C'est pas le sport. C'est la discipline. Mais bon, bref. Direction le fitness et on va voir ce que ça va donner. Les deux personnes qui vont me faire souffrir. C'est tranquille aujourd'hui, non? C'est les jambes aujourd'hui. Ah, regarde, on baptisait. Oh my god, ça va être chaud, mais t'inquiète, je vais tenir. C'est bon, j'ai des bonnes cuisses. Le basket. Le basket. Regardez-moi ça, les coachs sont bloqués. C'est incroyable ça. C'est tout bon, ils sont rentrés. Après de longs périples, de longs appels, c'est bon, on est dedans. Ils analysent les machines de torture. On va s'amuser, Europa Park. Ils analysent les machines de torture. Oh my god. Oh, je sens que je vais mourir. Oh my god, ça va piquer ce soir. Oh my goodness. Et après, c'est un match. Ah ouais? Oh purée. C'est bon, au moins, il y a le match pour me consoler. Tottenham, Marseille. Ah ouais, j'espère que Marseille perd. Ouais, j'espère aussi. Ah ouais, vive Paris. Clairement. C'est bon, de toute façon, on fera des pauses match, hein. C'est ça que vous m'avez dit, non? Exact. Ça dépend si en 30 secondes, t'arrives à avoir le match. Oh my god. Ah, ça va. Combien? 70. C'est un 70, mais elle bouge un peu. Frère, on va dire 70 tout rond. Tranquille. 70 tout rond. Ça va? 70 kilos. Et objectif, j'avais dit combien? 78. 78, ouais. Oh, et genre du travail. Faudra manger, hein. Ah ouais, ça faudra manger. Côté. Ça, t'es belle, t'es pas les deux dos. Vraiment. Où est ça, là? Ok. Dans la finish. Côté. On est juste avant d'avoir. On est à 34 de centimètres de tour de bras. On est à 91, 91, 74,5, 74,5. Parfait. Là, on est à 56. Ok, du coup, on souhaitait remercier Non-Stop Gym Lausanne Tunnel pour l'accès au fitness. De l'autorisation de filmer. On a un gros projet, on est motivé, on a un bon cobaye. Du coup, let's go! Et n'oubliez pas, activez la cloche et surtout s'abonner et suivez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, et puis il y aura aussi l'Instagram de Shadi pour suivre ses stories au fil des jours. Quotidien. Voilà. Faut que je vous présente mes deux coachs, Jeff, Loïc. Deux coachs diplômés, diplôme fédéral, c'est pas n'importe qui. Ils vont me suivre sur l'entraînement et sur la partie que je redoute le plus, la nutrition. En vrai, ça va être chaud. Mais est-ce que vous êtes chaud? Nous, on est chaud. Clairement motivé. Est-ce toi, que... par contre, tu vas suivre. Oh mon dieu. Ah ouais? Là, nous, on fait pas grand chose. Hein. Ouais. C'est toi qui vas faire tout le taf. T'inquiète. Tu peux avoir un bon coach et flopper. C'est vrai. Moi, je sens que ça va être facile de toute façon. Moi, je le sens, c'est bon. Ah ouais, il est confiant, il est confiant. Ah ouais, ouais. Ok. On en reparle déjà dans des semaines. Ok, on verra. Les amis, c'est parti pour la première séance. Tu m'as dit c'est quelle séance aujourd'hui? Donc aujourd'hui c'est séance jambes. On commence. 5 minutes d'échauffement. Okay. Tu sais que j'ai jamais fait d'échauffement de ma vie. T'inquiète, ça va bien se passer. Okay. Ensuite, on fait exercice de mobilité pour préparer les articulations, etc. Ensuite, corps de séance. Être à base de fonte bulgare. Tu verras, c'est exercice sympa. Fente bulgare, ça fait peur, ouais. Fente bulgare. Oh, ensuite, on passe sur les ischios.
Donc, machine ischio, soulevé de terre, jambes tendues. On passe après quadriceps, leg extension, et puis on finira avec goblet squat, toujours pour les quadriceps, et exercice adducteur-abducteur. Ok ? Oh my god, c'est parti ? C'est parti ! Allez, oh my god, j'ai peur. Alors, c'est pas facile. Alors ? J'ai déjà mal aux jambes. C'est que le chauffement. Bon les amis, on a fini la première partie, on a fait quoi ? Échauffement et mobilité. En vrai ça va pour l'instant. En vrai même les escaliers j'ai déjà souffert. Mais pour l'instant ça va. J'ai hâte de voir la fin. J'ai pas hâte de voir la suite, mais j'ai quand même hâte de voir la suite. Sur le dessus. Et ensuite, tu viens d'assurer. Ok. I pull up deep on my niggas, consider it's pivotal. Trap through the app, make a clap and don't cap it. She tapping it fast. I think that you know they be catching it. Standing 6 feet. Ça dit, ressenti. Je vois qu'il va chercher des points, ça me fait peur. Mais pour l'instant ça va, c'était tranquille. Échauffement gars. Oh mon dieu. Combien à 15? On passe de 7,5 à 15. Ah ouais, fois 20. T'as encore une minute de récupération. Ouais, j'ai bien profité. Ouais, profite bien. J'ai fait une sieste carrément. Nigga to the cover still, heart chill from all this talking real. Recent life feel like a highlight reel. Curly thumbing through currency, I'm from the avenue. Bitch, I'ma get it regardless. I tell little baby. Ok, suivant, les curls, on commence. On va travailler l'arrière des cuisses. Après, on enchaînera avec soulevé de terre, jambes tendues pour bien finir l'arrière des cuisses. Ok. I used to be quiet, was timid. They used to catch me, skip the courses. Now they snap a nigga portrait. Hard head, but never forced it. I got a pin it, it shine like it's supposed to. The way I deliver it. Mes amis, cette machine, c'est la pire machine jamais inventée. Elle m'électrocute tout là. Je parle même plus français. Là, je sens ça bégaye. Ça tire. Ouais, de ouf. Ça tire, mais je sens que je travaille. Mais là, c'est dur. Oh, là, les gars, leg curl. Oh. Best exercice. Le pire, oh le pire, sa grand-mère cette machine. Dernière série, dégressif. Donc là on est à 43 kg, tu me fais 10 reps. Ensuite on passera à 29 kg, 8 répétitions et on finit à 14 kg avec 6 répétitions. Ok ? Tranquille. Allez. C'est parti, go. Wait, hold up the label, just call me to tap in. They just cut the check, so I'm up in the slip. I take for Jake to the neck, then I stretch. To start my day, I hit the cash dance. Niggas is different now, I was damn dead. C'est du mangement, go. Combien 6 ouais. We're level to process. Not all in the day, but it took him some time to build wrong. I just copped the crib, never home. No, I... Encore 4, 3, 2, 1, et tu remontes gentiment. Ramène. Oh mon dieu. Oh wow. Oh mon dieu. Oula. Soulevé de terre, j'ai entendu. Récupère tes haltères. Tu pousses les hanches vers l'arrière au maximum. Ensuite, tu fais glisser les haltères le long du corps, tu gardes le dos droit et tu viens remonter. Si tu veux sentir les lombaires, tu remontes complètement. Sinon tu t'arrêtes un petit peu après. Ok, 17,5 de chaque côté. C'est parti. J'ai un muscle qui est mort. J'ai dit jusqu'à présent, c'est qui ton préféré? Exercice? Ouais, ouais. Le premier. Le premier? Fente bulgare. Ah ouais? Ouais, c'est mon préféré. Ah ouais? Ouais. Le okay. Plus dur, c'est celui-là là-bas. Ok, et bah tu sais quoi? Pour la prochaine séance, oh mon dieu. Je vais te les faire détester. quand je te dis que je vais t'envoyer en enfer, tu vas y aller en TGV. Oh sans tu effet. Vas, tu vas fumer. Non, moi, je vais pas, fumer. Je pas trop les du coup, ouais, je te disais, ce qui est important quand tu viens au foot, prends une bouteille d'eau et bois toujours entre chaque répétition pour rester hydraté. Si t'es pas hydraté, tes séries vont être plus courtes, tu auras moins d'énergie. Tu vas avoir peut-être mal à la tête ou quoi, donc ouais. Hydrate-toi, ok? Boire de l'eau, ouais. Allez, il te reste encore 20 secondes de récupération. Oh, les ischios, c'est pas pour moi. Il est mort, mon muscle. On a trouvé son pain, Fred.
Attends, les squats, ça fait quel muscle? Squat? Quadriceps, ischio-jambier, fessier, un petit peu mollet pour la stabilisation. Les squats, ça fait pas mal comme ça. Non, ça c'est normal. Ischio, en règle générale, il est vite raccourci. Donc là, c'est normal que ça te fasse mal aussi. Mais c'est important de commencer la séance jambes avec point faible, c'est-à-dire ischio. Ischio. Après, les quadriceps, ça ira tout seul. On voit que t'es bien dessiné déjà avec les quadriceps. Et puis ce qui te fait une grosse cuisse, c'est ça, ouais. Ischio. Je suis encore en train de ma vie que je sens ce muscle quand même. Ok, donc prochain exercice, c'est le Nordic Curl. Exercice hyper important pour les ischios. Pour tout ce qui est prévention des blessures au niveau des ischios jambiers, principalement utilisé par les footballeurs ou les skieurs. Ou basketteurs aussi. Basketteurs aussi. Attends, ça fait mal. Oh, wow. Oh mon dieu. C'est impossible. Ça fait, donc ça, c'était pour les ischios. Maintenant, on va passer au quadriceps. C'est bon, bye bye les ischios. À jamais. Monte bien juste en haut. T'as compté? Ouais. Bien. Inspire. Nickel. Oh purée, qui a inventé ça? C'est pas possible. Oh mon dieu. Ah, je sens plus ma jambe. Allez, dernière série. 3, 2, 1. Bien. Encore. Souffle. Je vais stop. Allez. Encore. Encore, encore. Garde le dos droit. Serre les abdos. Continue. Vas-y. Allez. Oh, ça merde. Allez, allez. Bloc en bas. Bloc. 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 Pousse. 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 Ok. Mon dieu. C'est bien. Oh mon dieu, là, les jambes. Ah, c'est horrible, je vous dis la vérité, pour de vrai, c'est trop dur. Je pensais que j'allais. Je pensais pas que ça allait être autant dur. Mais là, en fait, je sens vraiment toute ma jambe. Et c'est genre là. J'ai l'impression d'avoir jamais travaillé ces muscles. Du coup, c'est pire. J'ai l'impression qu'ils sont tous. Ce muscle-là, il est tendu. J'ai jamais senti ça de ma vie. Et là, j'ai même mal devant. Je vais très bien dormir. Oh, de moi, je marche pas. Hein. toujours, les gars. Toujours serviette sur les machines. Hein? Pose ta serviette ici. Écoute, écoute les machines, pose ta serviette. Ne les rends pas tristes. Oh mon dieu. 3, 2, 1, go. Ouvre au maximum. 2, voilà. 3, 6, encore. Encore. 7, 10, encore. Chacun les ischios. 10, 11, 12. Ok, attends, baisse un peu de poids. 1, 2, 3, 4. J'ai l'impression d'être battu avec Mike Tyson. Et là, je me réveille le lendemain. 1, 2, 3, 4, bloc. 3, 4, bloc. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 12 petits. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, bloc. J'aime pas les abducteurs ni les abducteurs. Et ischio non plus. Et ischio non plus. En fait, j'aime que ce devant là, quadriceps. C'est le seul plus que j'aime. Oh là là. Oh, vas-y. Ah, oh, j'ai plus de force. Four bands, don't roll rage, I give. We'll wheel all by your forehead. Them city John be like he lit. Them country girls be like go head. If I ain't that man, then I gotta be more than human. How you mean? Funny how the people back then who was hating on the kid always talking about how you clean. Put a little gas in the blunt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 16, 17, 18, 19 et 20. Oh, c'est chaud. Ok, top. Et on termine. Oh.
Oh là là. Ça passe. Hein? Ça passe. En vrai, c'était dur, mais je suis content d'avoir pu le faire. Mais c'est que le début. C'était que la première séance. Mec, regarde. C'est normal ça? Ouais, c'est normal. C'est que t'as bien bossé. Oh purée. Et que t'as bien été conçu. Toi, t'es content, Loïc, hein? Ah, là, c'était meilleure séance. Les séances jambes, c'est ce qu'il y a de mieux, de toute façon. Bah, c'est normal, regarde-moi ça. Ah ouais. Je pourrais avoir ces cuisses un jour? Bien sûr. Ouais, c'est bon. Bon, moi, j'aimerais bien avoir le bronzage, par contre. Ah ouais, ouais. C'est dur. Mec, d'une échelle de 1 à 10, note la séance. Ah, de quoi? Sur la dureté ou sur la qualité? Ah, qualité. Ah, qualité 10. Qualité 10 et ouais. Puis intensité. Fais attention à ce que tu réponds. Ouais, justement, en vrai. Non, en vrai, c'était crescendo. Ouais. Donc, 8, hein. 8? 8, 9. Ouais. Top. Prends note, Loïc. Prochaine fois, ce sera 11 sur 10. Oh mon dieu. C'est quoi ça? Ah. Ça, il faut consulter, hein. C'est pas tout normal. Purée. C'est très bien. Très bien. C'est pas normal. Sa cuisse elle pleure. Sa cuisse elle pleure, gars. Je pense que d'ici 2 semaines, on fera à peu près la même séance jambes. Mais là, je vais encore step up un peu au niveau des poids et tout ça. Au niveau des poids, au niveau de l'intensité des exercices, des tempos. Et tu verras une vraie différence. Ah ouais? Ok, ça va. Ça c'était lourd. Oh ça, mon c'est dieu. Beau, ça. C'est mes jambes qui sont lourdes surtout. Allez, 40 kilos, chacune. J'aime bien la démarche, hein. Bon les amis, c'est la fin de l'entraînement. Franchement, j'ai souffert. Tu m'as fait souffrir. Mais non, ça va, en vrai. Bonne première séance. Non, en vrai, ça va. Non, en vrai, ça va. J'ai hâte de voir la suite. Ouais. Franchement, je suis déter, mais c'était cool. J'ai vu que les jambes, c'était pas facile. Hein. Je pense que c'est le plus dur. C'est le plus dur, les jambes, pendant la nuit. C'est le plus dur nerveusement, en tout cas. Par contre, tu verras après les séances que Pierre il va te faire. Ça va être vraiment sympa. Ah ouais. Oh mon dieu. Oh mon dieu. J'ai hâte. Oh moi j'ai peur. Ça va, j'étais un bon élève. Un bon... Moi j'étais témoin. Ouais. Bien joué. Les exercices, t'avais pas forcément l'habitude de les faire. Ouais. Ils étaient propres. J'ai pas eu besoin de beaucoup te reprendre au niveau de l'exécution du mouvement. Et puis on voit que t'as une bonne mentalité, t'as la mentalité de gagnant et que tu veux te dépasser à chaque fois. non mais c'est vrai, il faut dire ce qu'il y a au début, c'est comme ça, c'est dur et tout, mais t'as pas lâché. Donc merci. Go devenir une arme blanche, go 78 kilos. Du coup vous pouvez suivre son aventure pendant 3 mois. Une fois par semaine, vous aurez une vidéo avec les entraînements, son quotidien, etc. Et puis lui, il fera des vidéos mises à jour, une fois au milieu, une deuxième encore un petit peu avant la fin du challenge, et puis après, on fera la dernière vidéo du challenge. J'espère que tout va bien se passer. Mais ça devrait le faire. Easy. Ouais. Let's go. Go. Non, stop, Jim. 2 hours later. Écoutez-moi bien les amis, je sais pas où j'ai mis mon téléphone mais il est actuellement 1h56 du matin, donc 2h du matin. J'ai été obligé de prendre une douche froide parce que je sens plus mes cuisses et j'arrive pas à dormir. Genre c'est abusé, j'ai trop mal aux cuisses. Genre là j'ai les ischios, donc l'arrière des cuisses là, en feu. Regardez, je sors de la douche, il est pile 2h du matin. Ouais, c'est pas une vie, c'est vraiment pas une vie, j'ai trop mal aux jambes. Genre j'arrive pas à dormir, j'ai trop mal. Genre en fait dès que je bouge, je sens que mon muscle se contracte et je vais avoir une crampe. Et du coup on peut pas dormir avec une crampe. Je vais aller faire quelques étirements pour voir si ça passe. Et je vais retourner essayer de dormir. Mais je vous jure c'est horrible, j'ai jamais eu autant mal aux jambes de ma vie. Pourtant j'ai fait du sport dans ma vie, j'ai joué au basket, j'ai fait du foot. J'ai fait plein de sports, mais là ça me détruit les jambes. Waouh. J'ai trop mal aux jambes, c'est abusé genre. Là c'est vraiment atroce comment j'ai mal. Genre aujourd'hui j'arrivais même pas à marcher. J'avais une journée de travail et j'avais tellement mal aux jambes que j'arrivais pas à marcher, monter les escaliers, je pouvais pas. C'est
c'était chaud. Mais là, ça va un peu mieux. Mais j'ai découvert ça, c'est la meilleure création de l'univers. Du coup, je continue à m'étirer.